ça doit être normal. Et comme on s'y connaît pas en mécanique, on peut l'expliquer. Donc c'est tout, on va laisser comme ça. On monte, on monte, on monte. On va poser. On y reposer la tiraille. Encore un coup. Yes. Bon, avant de travailler en dessous, on va donner un bon coup à l'auto. Ouais, tiens. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va installer un kit néon que j'ai rallongé hier, que ça m'a pris du temps parce que je pense que je suis une merde, parce que personne n'a eu du mal à faire ça avant, et moi j'ai eu du mal, donc je pense que je suis une merde, mais c'est fait, c'est rallongé, c'est solidifié, c'est tout, ça devrait tenir, et du coup on va essayer de faire passer ça. Alors, là, dans la baie moteur, on va faire passer les câbles pour qu'ils rentrent à l'intérieur, je pense que c'est le plus simple. Ah, dites-moi en commentaire s'il y avait des façons plus simples, ça me fera rager, ce sera cool. Et ensuite les câbles, il y en a un qui va partir là, deux qui vont partir sur les côtés, et celui que j'ai rallongé, qui va aller là, ici, ici, là, là. Magnifique. Voilà, c'est le plan d'aujourd'hui, on va nettoyer en dessous un petit peu avant. Et voilà, on va essayer de faire passer d'abord, parce que si on n'arrive pas à faire passer, ben, on aura nettoyé pour rien quoi. Du coup voilà, on va essayer de faire ça tranquillement. Ah oui, ça. Ah, c'est beau. Du coup, elle fait le bruit de la 86 sur autoroute. Donc on a mis une petite barre là qu'on a tordue à la main. La plaque, on l'a réadaptée. Bon, ça passe pas parfaitement, mais disons que comme c'est serré, ça tient. Le cornet tient, ça se paraît, c'était pas assez. Donc voilà, c'est ramorce, ça tient. Et du coup, il touche plus ici, c'est nickel. Il est assez loin du collecteur, donc je pense. Question air chaud, ça devrait faire. Alors, je pense qu'il faut faire passer ça par ça. Ce truc là. Donc je vais le démonter, je vais l'enlever. Je vais aussi aller de l'autre côté, là, ici derrière le tableau de bord. Pour essayer de voir ce qui se passe en dessous, quoi. Le magnifique kit néon, donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire passer là dedans là voilà, ça va là, ça se divise en 4 câbles. Dans chaque câble t'as 4 petits fils de putain de merde, voilà voilà voilà, jusqu'à ce que tu arrives à ça. Alors en fait il y a de la gaine thermorétractable pour les chaque 4 petits fils, plus deux bons morceaux de gaine en plus de chaque côté, parce que bah, c'est un peu ouvert grand. Et par dessus ça j'ai remis forcément bam du bon scotch sa mère pour que ça devienne rigide et que bah ça pète pas quoi, parce que les soudures tu tires et ça pète, hein. T'as de voiture de merde, je vais t'enculer, t'es mort. Alors bon, le trou et en fait de la mousse derrière, mais la mousse du coup on peut la dégager normalement, donc on peut faire passer notre petit boîtier, on va essayer. Ce que j'ai fait c'est oh putain, 4% de batterie, je vais me dépêcher, on va changer de batterie après. J'ai fait passer un autre gros morceau à travers ce truc là, le passe B moteur. Je les ai tous sortis et en fait je les ai séparés. Donc là c'est celui qui va à l'arrière, ça c'est celui sur le côté. Là on a l'avant et là on a celui qui ira sur l'autre côté.